la fête des papas. Amen. Donc moi j'attends mon cadeau le dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Pas cadeau de 996. Hey. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça fait vraiment un petit temps, je ne suis pas arrivé ici, alléluia. À cause du travail, je suis toujours parti. Et par la grâce de Dieu, je travaille toujours, mais je suis ici. Amen, non? Amen. Je travaille jusqu'à 21h. Fatigué. Mais quand tu es avec Jésus-Christ, il vient, il charge la batterie. Alléluia! Amen. Ce soir, bienvenue à cette veillée de prière, mon frère, ma soeur. Bienvenue. Parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur. Tes enfants sont là ce soir pour t'écouter. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Tout est important. Et chaque fois, je ne sais pas, je répète toujours la même chose, un sujet très important. Alléluia. Mais tout est important. Amen. Amen. Mais pour ce soir, pour aujourd'hui, c'est le sujet le plus important. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans le cœur pour que nous puissions parler. Et ce n'est pas nous qui allons parler, c'est Christ lui-même, n'est-ce pas, qui va parler. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le thème de ce soir, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez, le chrétien n'est pas fidèle. Amen. Non. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Nous ne sommes pas fidèles. Non. Parce que on traverse tellement de problèmes. Et quand tu vois la vie des chrétiens, ils ne sont pas fidèles. On n'a même pas besoin de nous dire ça. Ils ne sont pas fidèles. Nous sommes fidèles dans d'autres choses. Alléluia. Mais les choses, la chose la plus importante, nous ne sommes pas fidèles. Et quand tu n'es pas fidèle, alors que tu es en face de toi un Dieu qui est fidèle, et toi tu n'es pas fidèle, mais comment peux-tu dealer avec ce Dieu qui est fidèle? Lui qui est fidèle, une fidélité éternelle. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Lui qui peut, même si tu es condamné à mort, il peut te délivrer à cause de sa fidélité. Lorsque ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans ta vie, la santé, à cause de ta fidélité, il y vient et il te guérit. Mais on s'amuse avec ce Dieu-là. Alléluia. C'est malheureux, mais c'est une réalité. On vient nous parler de l'amour. C'est vrai, Dieu est amour. La Bible est claire. Il a fait venir son Fils unique pour que, n'est-ce pas, nous puissions être sauvés et pas pour nous juger. Mais il nous a donné tous les outils. Alléluia. Amen. Vous allez constater que nous, les outils que nous avons, les premiers chrétiens n'avaient pas ces outils-là. Alléluia. Ils n'avaient pas les outils-là. Ils n'avaient pas la Bible. La Bible était là. Eux, c'était oral. Alléluia. Parce que la Bible, ils ont commencé à mettre les premiers versets du Nouveau Testament, du Nouveau Testament, c'est peut-être 30 ans après le départ de Christ. Longtemps après. Mais comment ces chrétiens-là faisaient pour vivre? Comment ils s'étaient nourris? Mais lisez un peu les épîtres de Paul. Comment ces chrétiens-là arrivaient, n'est-ce pas, à se fortifier? Mais parce qu'ils étaient fidèles et ils croyaient en Dieu. La dernière fois qu'on priait à la maison, on me posait une question. C'est des questions pour me poser. Parce que quand tu me poses une question, il ne m'arrête pas. Alléluia. Et j'ai dit, mais vous ne croyez pas en Dieu. Le chrétien ne croit pas en Dieu. Excusez-moi de le dire, mais il ne croit pas en Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas cette conviction-là. Parce que pour un petit problème, le chrétien quitte la face de Dieu. On voit ça tous les jours dans nos églises. On a la Bible, on lit, c'est comme un roman. Amen. C'est une réalité. Voilà pourquoi c'est difficile. Des chrétiens, ils n'ont même pas expérimenté encore la puissance de Jésus-Christ dans l'église. Quand quelque chose arrive dans la vie, on dit c'est la chance. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas la chance. Nous, les chrétiens, amen, ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas de chance. J'expérimente tellement ces temps-ci les différentes manifestations de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que je dis waouh. Mais tout ce
qu'il nous demande, c'est ça, c'est la fidélité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la fidélité? Amen. Amen. Je vais toujours dans la définition du monde, toujours. Alléluia. Et puis vous allez constater, quand vous lisez la Bible, Dieu lui-même, il définit la fidélité. Alléluia. Amen. Quand je suis allé dans la définition du monde, j'ai vu quelque part, la fidélité est un attachement à ses devoirs et ses affections. C'est. Amen. Régularité à remplir ses engagements par rapport à des tierces ou à soi-même. Vous avez compris? La fidélité est un attachement à ses devoirs et ses affections. Régularité à remplir ses engagements par rapport à des tierces ou à soi-même. Amen. Vous voyez? Mais qui peut dire aujourd'hui qu'il remplit, n'est-ce pas, ses devoirs, n'est-ce pas, ses engagements à 100%? Qui peut le dire? Personne. Alléluia. Souvent, tu donnes rendez-vous à quelqu'un. Alléluia. Il doit venir te rencontrer quelque part. Il ment. Il dit, j'ai oublié. Il n'a pas oublié. Il ment. Je dormais. Il ne dormait pas. On ne peut pas, c'est-à-dire que c'est pas possible, n'est-ce pas, que tu puisses remplir tes engagements. On ne va pas au travail encore sick. Alléluia. I'm sick. Pourquoi tu n'es pas malade? Amen. C'est une réalité. Ce que je dis là, c'est vrai. C'est pas faux. On n'arrive pas à le faire. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que la fidélité de ce monde-là, on doit aller au-dessus de cette fidélité-là. S'il y a une fidélité physique, c'est qu'il y a une fidélité spirituelle. Alléluia. Mais la fidélité spirituelle, il y a les deux faces. Il y a une fidélité, il faut que je sois fidèle, sinon je vais mourir. Alléluia. Il faut que je sois fidèle, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas ce rite-là, je vais mourir. Ou bien il y aura des conséquences négatives. Spirituelles. Je dis bien, fidélité spirituelle, il y a deux faces. Une fidélité de peur. Ça, ce n'est plus la conviction. Parce que tu allais faire quelque chose, eux ont donné des conditions, mais au moment T que tu faisais cela, tu as accepté ces conditions, tu as signé ce pacte-là, et on te dit, si tu ne fais pas ci, voilà ce qui va t'arriver. C'est cette fidélité. Alléluia. Mais il y a une autre fidélité où tu es fidèle parce que il est bon d'être fidèle. Une fidélité où il n'y a pas de conséquences négatives. Pas du tout. Mais la conséquence négative vient de toi-même. Alléluia. Mais aussi longtemps que tu es fidèle, automatiquement, tu baignes dans le bonheur. Voilà pourquoi Job nous dit que attache-toi à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas facile. Ça veut dire que être avec Dieu, comme ça, être en communion avec Dieu. Maintenant, j'étais en train de lire la parole de Dieu, un psaume qu'on lit tout le temps. Je vois que le psaume nous parle de la fidélité biblique. Le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Amen. Faut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Voici la fidélité de Dieu. Qui a un bouclier, qui a une cuirasse. Sa fidélité. Voici de quelle fidélité, c'est de cette fidélité-là qu'on va parler ce soir. Parce que nous ne sommes pas fidèles. On pleure matin, midi, soir. Ça ne devait pas être le cas. Paul crie, la mort m'est
alléluia. On le lapidait, on le chicotait, il fuyait. Il parle de cette tribulation en Asie. Qu'il a eu tellement peur qu'ils ont cru qu'ils allaient mourir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais je me suis confié à qui? À Dieu. Il dit, la tribulation était tellement grande que si ce n'est pas Dieu, eux, ils n'ont plus eu confiance en eux-mêmes. Ils ont laissé que Dieu puisse, n'est-ce pas, prendre le contrôle. C'est-à-dire que nous, on fait le travail de Dieu souvent. C'est ça le vrai problème. Alléluia. On dit, la fidélité de Dieu, c'est quoi? C'est une cuirasse, c'est un bouclier. Qu'est-ce que la cuirasse fait? Qui connaît? Ça protège. Alléluia. Et qu'est-ce que le bouclier fait? Ça protège. Alléluia. Attends, si tu as la cuirasse de Dieu, si tu as le bouclier de Dieu, qu'on appelle fidélité, mais et toi, quelle est ton contrepartie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Et cette fidélité qui est autour de nous, automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fidélité, personne ne pourra atteindre sa santé. Alléluia. Cette cuirasse, écoutez bien. Il dit, sa fidélité est un bouclier. Personne ne pourra avoir accès à toi au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, au niveau de tout ce qui est contre la parole de Dieu. Personne ne peut avoir accès à toi. Maintenant, on va parler un peu. Je descends un peu. On va parler. Ça va aller. Alléluia. On va comprendre. Parce que si après cet enseignement, si tu comprends l'enseignement et que tu commences à être fidèle à Dieu, tu vas constater que ta vie va changer. Alléluia. Parce que le chrétien pleure trop, quoi. On réfléchit trop. Pourquoi? Nous avons un si grand. Il vous dit toujours que la seule religion du monde. Il dit bien du monde où il y a une espérance, c'est le christianisme. Amen. C'est tout. C'est le chrétien qui peut dire oui, je vais au paradis, je vais avec Jésus-Christ, c'est nous seulement. Parce que pour nous, c'est pas avec les œuvres, c'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. C'est le seul. Corinthiens dit qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit qui est en l'homme. Donc, chacun peut savoir sa position face à face vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Nous sommes les seuls. Il est bon de louer. Vous avez une chanson, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, louez-le. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais est-ce que quand on chante ces chansons-là, est-ce que nous croyons en cela? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il t'a libéré comment? Alléluia. Il t'a libéré comment? On chante maintenant comme le monde, sans vraiment prendre. Voilà pourquoi une fois, le frère Jean, lui, il ne s'amuse pas. Lui, la musique, là, il s'est contrôlé. Alléluia. Ça ne doit pas dire n'importe quoi. Amen, non? On écoute la musique de Dieu, les cantiques là, comme si c'était. C'est pas vrai. Nous avons un Dieu fidèle et nous ne sommes pas fidèles. Alléluia. On va voir quelques versets qui parlent de la fidélité de Dieu dans la Bible. Dieu parle de Dieu d'abord et puis après je viens en nous. Amen, non? Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Psaume 117. Versets 1 et 2. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. C'est le plus petit psaume, le plus petit chapitre. C'est ça, non, de la Bible. Hein? Il n'y a seulement que deux versets. Amen. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité fait quoi? Dure à jamais.
C'est plus ça, hein? Car sa fidélité dure à jamais. Amen. Éternel. T'es quel est ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui a dit, après le déluge, que je ne ferai plus ça encore dans le monde encore. Et qu'il a fait? Il n'a plus fait. Ce Dieu-là qui a dit, lorsqu'on a été chassé parce qu'on a désobéi dans le jardin, il dit, il est passé partout, par Noé, Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, on vient par les Moïse, Josué, on va par les juges, et même c'était très grave, juges, on va à Samuel, nous avons à David, lui aussi là-bas, il était quand même, il aime, Dieu l'aime beaucoup, David, Salomon, lui, il est venu, il a tout mélangé aussi, amen, et on parle par Salomon maintenant, les prophètes sont là, on est parti dans un roi, deux rois, tout, on a fait tout ça là, hein? Rien, chronique 1, chronique 2, rien. Il dit non, cela faut qu'il y ait Jésus. Il faut qu'il y ait mon fils. Amen. Regardez sa fidélité. Depuis là, regardez la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Regardez dans Habakkuk, où le peuple de Dieu était martyrisé. Où Habakkuk était un prophète qui était sur la tour. Et puis il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais lui, ce n'était pas une plainte incrédule. C'était une plainte crédule. Une plainte parce que j'ai fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Je suis fidèle à toi. Mais pourquoi tu permets à l'ennemi d'avoir accès à nous? Il dit, j'étais sur ma garde. Quand il a parlé, Habakkuk avait confiance en Dieu. Amen. Quand Habakkuk s'est plaint, il s'est assis, il dit, j'étais sur ma tour de garde. Et puis j'attendais ce qu'il allait me dire. Nous, aujourd'hui, on dit ça, on finit de prier. On prie pour ceci, on prie pour cela. Quand on fait la prière, pour la chose dont on a prié, on s'inquiète. C'est-à-dire que nous ne croyons pas à la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Si c'est pour la santé qui guérit, la fidélité de Dieu, si c'est pour les finances qui bénit, si c'est pour le travail qui donne le travail, on ne croit pas à cela. Alors que la Bible dit ici, dans le psaume 117, que sa fidélité dure à jamais. Voilà pourquoi je dis toujours, on ne croit pas à la Bible. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Si tu crois à la parole de Dieu, tu ne vas pas douter. Amen. Pas du tout. Non. Je refuse. C'est pas possible. On lit. Sa fidélité dure à toujours. Et puis on s'arrête. Méditez un peu sur ce que ça veut dire. Méditons. Je ne sais pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Deutéronome 7, 9 nous dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Millième génération. Ça veut dire que quoi? Toi, tu as vu tes enfants, les enfants de tes enfants. C'est juste, toi, tu es parti, hein? Tu es parti il y a longtemps, ça coule. Voilà pourquoi les juifs, là-bas, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont bénis. Mon ami, ils sont bénis, ils savent ce que les parents ont fait pour eux. Alléluia! Mais aujourd'hui, nous aussi, nous rentrons, n'est-ce pas, dans cette alliance d'Abraham à travers qui? Jésus-Christ. Amen. Nous sommes juifs aussi aujourd'hui, amen, non? Amen. À travers Jésus-Christ. Abraham a travaillé. Dieu dit que tu auras une postérité quoi? Prospère. Amen. Est-ce qu'ils auront prospère? Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas à Jésus-Christ. Hein? Ils attendent le Messie. Amen. Amen. Mais à cause de la fidélité de Dieu, il a tenu parole à qui? À Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils sont prospères. Alléluia. Et nous sommes dans cette postérité à travers qui? Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est doux, hein? Quand je parle de lui, je parle de Jésus-Christ avec passion. Ça veut dire que ce n'est pas les choses venir s'arrêter, prêcher la parole de Dieu, tu vois, non? Essayer de faire. Non. C'est plus que ça. Moi,
moi, ça m'arrive souvent, j'espère que ça arrive à tout le monde. Il y a des moments, je n'ai même plus envie, je n'ai pas envie d'écouter quelque chose. Si ce n'est pas, moi, j'ai la Bible, Dieu aussi. Il y a des deux. Quand je suis en train de conduire dans ma voiture, je suis là, j'écoute la Bible audio. Je n'ai même pas envie de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et toute fois que tu écoutes ça, tu apprends. Tu apprends. Il n'y a pas un jour que tu n'apprends pas. Alléluia. Amen. Bon. C'est Dieu qui est fidèle à qui il est. Ah, c'est la question qui est posée à maintenant tout le monde. Voici un Dieu. Le verset précédent nous dit que ce Dieu-là est fidèle. Maintenant, qui est ce Dieu-là? Celui qu'on dit que sa fidélité dure à toujours. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu a la chair? Est-ce qu'il a la chair? Qu'est-ce qu'il a? Il est quoi? Il est esprit. Ah ah! Ce Dieu-là est esprit. Donc, la fidélité qui est parfaite, la fidélité qui est au-dessus de toute fidélité, cette fidélité est esprit. Alléluia. Ce Dieu-là, il est esprit. Qui est Dieu? Donc, ce Dieu-là, il est qui? Jéhovah, il est qui? Il est esprit. Alléluia. Donc, ce n'est pas la chair qui est fidèle. Alléluia. Qu'est-ce qui est fidèle? C'est l'esprit qui est fidèle. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. C'est l'esprit qui est fidèle. C'est pas la chair qui est fidèle, mais c'est l'esprit de Dieu qui est quoi? Qui est comment? Qui est fidèle. Donc, en conclusion, la vraie fidélité vient de quoi? De l'esprit. Ça s'arrête là. Alléluia. Maintenant, nous, on n'est pas esprit. Nous sommes esprit, corps et âme. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a un problème, alléluia. Il y a un problème. Donc, il y a une partie qui lutte. Mais lui, l'esprit. Mais nous ne sommes pas esprits. Maintenant, comment faire maintenant pour rentrer maintenant dans cette dimension spirituelle? Parce que tant que tu ne rentres pas dans cette dimension spirituelle, tu ne pourras pas être fidèle. Ah, j'ai dit la vérité, hein? Je ne mens pas. Amen. Non. Tant que nous ne rentrons pas dans cette dimension spirituelle, il nous sera difficile. Je prends le témoignage de ma fille Evelyne. Elle voulait écouter le journal. Le journal a gâté sa journée. Alléluia. Mais le journal qu'elle a regardé, le message qu'elle a écouté, le message a permis, n'est-ce pas, que quelque chose se réveille en elle. Elle dit que toute la nuit, j'ai fait quoi? Depuis avril, elle prie jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit que je ne vais plus encore regarder les news. Ça me perturbe. Effectivement, les news là, ça perturbe. Alléluia. Allez-y à la télévision aujourd'hui aux États-Unis. Ça perturbe. Les news, ça perturbe les gens. On passe plus notre temps à regarder les news, plus notre temps à la télévision, n'est-ce pas? Bon, mais j'étais un champion. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça perturbe. Aujourd'hui, on veut défendre l'indéfendable. Amen. Aujourd'hui, écoutez, allez-y, regardez. On découvre des gens qui viennent parler d'autres choses. Qui ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas mon sujet, il ne touche pas ça aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a tellement à dire là-dessus, mais ça c'est un enseignement spécial. Amen. Gloire à Jésus. Donc, la fidélité du chrétien vient seulement de sa connexion avec qui? Avec le Saint-Esprit. Amen. Tant que tu n'as pas cette connexion, il te sera difficile, n'est-ce pas, d'être fidèle. Sinon, ta fidélité sera comme la fidélité du monde. Ou tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu dors. Je suis malade. Alors que c'est faux. J'ai oublié. Tu mens. Mais c'est la vérité, j'ai dit, ok, c'est bon. Quelqu'un veut déménager le week-end, il t'a dit au moins un mois, à la fin du mois, je déménage. Dernier jour, tu vas trouver un petit truc pour mentir.
Amen. On sait que gloire à Jésus. Vous voyez qu'on ne sont pas fidèles? Ça, c'est la fidélité du monde. Amen. Donc, sans cette communion avec Dieu, il nous sera difficile. Donc, il y a deux étapes à franchir. Deux étapes que nous devons franchir, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à cette fidélité spirituelle. La première étape, n'est-ce pas, la première étape, on prend 1 Jean 1,9. Amen. 1 Jean 1,9. Et je vais prendre aussi. Amen. 1 Jean 1,9. Gloire à Jésus. 1 Jean 1. Je crois même que je n'ai pas venu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vas-y, pour lire, ma fille. Pour lire. 1 Jean 1, 9 nous dit: mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Amen. Amen. Voici la première étape. Gloire à Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Quel est le mot qui sort encore ici? Il est quoi? Fidèle et juste. Si nous confessons. En fait, je suis en train de nous faire partir maintenant dans le domaine spirituel. Amen. Pour que nous puissions comprendre quelque chose. Amen. Si nous confessons, c'est-à-dire que si le jour que tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, et que tu confesses tes péchés, et que de ta bouche tu confesses, n'est-ce pas, qu'il est Seigneur, et que tu fléchis aux genoux, il dit qu'il est fidèle encore, et il est encore juste pour pardonner, et pour pardonner, et pour purifier toute iniquité. Amen. Ça, c'est la première étape d'abord. Ne dis pas que je suis chrétien il y a longtemps. Il ne faut pas dire ça. Voilà pourquoi j'aimais beaucoup Billy Graham quand il prêchait. Quand à la fin, quand il faisait appel, il dit: tu peux être pasteur, tu peux être diacre, tu peux être homme de Dieu, mais tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ. Tu connais la parole de Dieu, mais tu n'as aucune relation. Et il y a beaucoup de chrétiens. Il y a un verset, il y a beaucoup d'appelés. Vraiment, je demande à tout le monde de méditer sur cette parole-là, sur ce verset-là. Les églises sont truffées de... Alléluia, on continue. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est confesser, n'est-ce pas, ses péchés. Alléluia. Et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais pourquoi il nous purifie? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que quand tu as confessé, il vient et il te purifie. Tous tes péchés que tu avais n'existent plus. Et il dit encore que je ne vais même pas me rappeler de ces péchés. Ça, c'est la première phase. Peut-être que tu es chrétien il y a longtemps. Tu as déjà fait cette phase-là. Mais il y a tous les gens qui sont passés. Commence à voir cette phase-là. À partir de ce soir, celui qui est venu à cette veillée ce soir, il ne peut pas sortir aujourd'hui sans rien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Je crois à ça. Hein? Je crois à ça. Amen. Amen. Deuxième étape. Je sens. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Hein? Il est puissant. Hein? Alléluia. Deuxième étape. On va lire 1 Corinthiens 1, 9. Qui a ça? Il peut lire. Quand, parce qu'à partir du moment où tu confesses tes péchés, 1 Corinthiens 1, 9, à partir du moment où il vient, il te purifie, qu'est-ce qui va se passer? Il te fait rentrer maintenant dans quoi? Dans son alliance. Amen. Il dit: je suis saint, et ceux qui me suivent doivent être quoi? Saints. Amen. Il dit, de sa sainteté, il regarde sur la terre pour faire quoi? Pour voir ceux qui sont persécutés et il viendra les délivrer. Hébreux dit quoi?
Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc, il commence par là d'abord. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs qu'on fait à l'église, on croit que c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. On n'en parle même plus. L'adulte. Ok, continue. Vas-y, ma fille. 1 Corinthiens 1, 9 nous dit, Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Tu rentres maintenant dans cette communion avec Christ. Et lorsque tu es dans cette communion avec Christ, ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, tu ne fais plus le travail de Christ. Tu laisses Christ lui-même faire son travail. Et aujourd'hui, Christ est parti. Maintenant, qui fait ce travail-là maintenant? Tu es connecté avec qui? Avec le Saint-Esprit. Et comme il est fidèle, comme le Dieu-là, il est fidèle, il t'a purifié. Et il a permis que tu puisses rentrer dans cette communion avec son Fils. Amen. Automatiquement, tu es dans cette fidélité. C'est en ce moment maintenant que la fidélité, Psaume 91 verset 4, qui est une figurasse et un bouclier, est une application véritable à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment ça marche. Sinon, avec ta volonté, avec ta force, tu ne pourras pas être fidèle. On doit nettoyer l'église. Dimanche, lundi, mardi, tu sais que tout le monde doit retourner à l'église. Tu appelles, tu dis que tu as un rendez-vous quelque part, que tu es en train de dormir. Alléluia. Même dans la maison de Dieu, tu mens. Parce que la fidélité de Dieu, elle va jusqu'à la fin. Il n'y a pas de petites choses. Tu as pris, qu'est-ce que la définition du monde dit? Prends un engagement. Tu as pris un engagement dans la maison de Dieu, il faut respecter. Mais pourquoi tu n'arrives pas à respecter? Parce que tu n'es pas encore dans cette communion avec le Fils. Tu ne connais même pas le Fils. Tu parles du Fils. Tu dis, je prie au nom de Jésus. Mais tu ne le connais pas. Parce que tu n'as pas laissé Christ, n'est-ce pas, venir te purifier, venir, n'est-ce pas, avoir cette relation avec toi. Tu ne le connais pas. Tu n'as même pas écouté sa voix. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, un chrétien, lorsque un chrétien commet des erreurs, mais que l'erreur, n'est-ce pas, n'est pas volontaire. Alléluia. Très important. L'erreur n'est pas volontaire. Dieu va toujours te protéger. Mais lorsque l'erreur est volontaire, et que tu sais que c'est volontaire, ce que Dieu t'a dit, ne fais pas. Un jour, j'étais à Idaho. Je conduisais. Alléluia. J'étais un peu pressé. Je n'ai jamais fait d'accident. Amen. Je conduisais. J'ai vu un troc derrière moi qui venait en vitesse. Je l'ai vu venir. C'est pas que je n'ai pas vu venir. C'est-à-dire que la seule chose que je devais faire, ralentir, n'est-ce pas, pousser ici, laisse-le partir. Et le monsieur était agressif. Et il, ça m'a énervé. Il dit, toi, moi, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Alors que l'esprit qui est en moi me dit, mon ami, mets-toi à côté. Il dit, tu vas voir. Donc, au moins, il voulait passer, je voulais le bloquer. J'ai fait exprès. Il est venu. Wabab. Voilà la Jésus. Amen. Ça, l'erreur était quoi? Volontaire. Dieu m'a parlé. Il y a une seule chose que je dois faire, me mettre à gauche pour qu'il passe. Je voulais jouer au Rambo. Mais il a été plus Rambo que moi. Amen. Ils m'ont donné un ticket. C'est pas comme en Californie ici. Hein. En Californie, quand tu fais un accident, il n'y a pas de ticket, non? Ici, on ne donne pas de ticket. Hein. Là-bas, on a un ticket. Hein. Ah oui? C'était ta faute. Oui, c'est ma faute. Parce que quand la police est venue, la police a mis une roue, il y a une roue qui est de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis sur deux. Non, c'est pour vous dire que
Il y a des moments que moi je conduis où je brûle le feu. C'est comme quoi, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder ce feu-là, mon regard est fixé sur le feu. Mais quand je passe le feu, il n'y a rien. Ça, c'est une faute involontaire. Et les anges campent autour de nous. Ils sont là. Amen. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous envahir un peu. Alléluia. On ne peut pas prier. Nos heures de prière, on ne peut pas respecter. On met l'alarme, je parle de moi-même souvent. Alléluia. L'alarme sonne, tu dis, tu coupes. Amen. Amen, voilà. Alléluia. Non, mais c'est la vérité. Donc, après les deux étapes, c'est là maintenant que tu rentres maintenant dans la communion de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, chrétien? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que le... Là, je parle au chrétien. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à être fidèles malgré que nous sommes assis dans la présence de Dieu? Ah, on va lire la Bible de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre 2 Pierre 2, 1 à 3. Je vais lire. Qu'est-ce que dit la Bible? 2 Pierre 2, 1 à 3. Amen. Amen. Si on a ça, on dit amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. C'est ça? Vous avez ça? Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Amen. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, qui est Jésus-Christ, alléluia, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Trafiquer, c'est-à-dire qu'ils feront un commerce. Alléluia. Au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Voici le problème au jeu de l'Église. Alléluia. On écoute tellement de choses qu'on ne doit pas écouter. On n'a même plus encore de bon sens. Alléluia. La cupidité est rentrée aujourd'hui dans l'Église. Et que aujourd'hui les lois, on a rejeté. On est à l'église, mais Jésus-Christ n'est plus avec nous à l'église. Alléluia. On a rejeté les voies de Jésus-Christ. Et on se laisse, parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, en contact avec la parole de Dieu. On court après les prophéties. Toi-même, tu es prophète. Amen. Oui. Tout chrétien est prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es prophète. Tu es l'esprit de Dieu. Dieu parle comme il demandait, il parle. En vision, et puis en quoi? Chanson. Songe, et puis quoi? Parole de Dieu. Prophétie. Alléluia. Parole de Dieu. Amen. Amen. Intuition. Alléluia. Intuition. Gloire à Jésus. Voici la prophétie que son pasteur lui a fait. Est-ce que la prophétie que le pasteur a fait a changé avec ce qui s'est passé à la justice? Même chose. La seule chose qu'ils n'ont pas vu, c'était la lumière, mais la lumière est spirituelle. Amen. Gloire à Jésus. La lumière est spirituelle. Matthieu nous parle. Jésus lui parle dans Matthieu. Je ne sais pas, je vais lire. Matthieu 24, on va aller un peu vite parce que quand je suis un peu en retard. Ok, j'ai dépassé. Ok, il y a encore 20 minutes. Amen. Matthieu 24, 4, 14 nous dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction du monde. Alléluia. Amen. Chrétien, voici nos problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à être fidèles? À rester de cette nation. Tu ne peux pas avoir cette séduction du monde, n'est-ce pas? Automatiquement. C'est les engagements physiques que tu vas remplir ou tu mens. Ça, c'est automatique. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup. Est-ce que ça n'existe pas? Non, non, non. Je vous dis, ça n'existe pas. Il y a des gens qui s'appellent quoi? Père Saint-Esprit au Bénin. Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Il y a un qui est encore qui dit que c'est par lui seulement qu'on peut sauver. Amen. Vous n'avez pas vu ça? Comment il s'appelle ce gars-là même? Kakou Philippe. Hein? Quoi Philippe? Kakou Philippe. Voilà, c'est pas lui. C'est pas par la Bible. C'est pas par la Bible, hein? C'est pas par ça, là.
ne vont pas, et qu'il n'y a pas de chrétiens qui vont là-bas prier. Alléluia. Devinez-nous que c'est des faux docteurs. On a un livre de référence. Comment nous nous laissons berner, n'est-ce pas, par des gens? On lit pas. Merci, on lit pas. Pourquoi? Le miracle, écoutez, si c'est le miracle qui va faire que vous allez venir dans la maison de Dieu, crier Alléluia, vous avez joie à côté. Parce que tout le monde fait miracle, amen. Si c'est miracle, lui aussi fait miracle, l'homme de gauche. Quel miracle? Alléluia. Mais la seule chose qui nous donne la force, c'est la parole de Dieu. Est-ce que lorsque tu lis une parole de Dieu et que tu médites la parole de Dieu, est-ce que tu n'as pas cette paix intérieure? Amen. Est-ce que tu n'es pas heureux? Amen. Tu commences à sourire alors que ta facture de téléphone n'a pas encore été payée. Ah oui! Tu commences à sourire alors que tu n'as pas 5 francs pour manger à checker. Il n'y a rien. La fin du mois est proche, il n'y a pas le loyer, mais tu es heureux. Ça, c'est la fidélité de Dieu qui fait quoi? Qui t'apaise. Qui enlève toute inquiétude au devant de toi. Psaume 27. Même si une armée s'est levée contre toi, tu n'auras aucune crainte. Amen. Alléluia! Amen. C'est ça la fidélité de Dieu. Amen. La confiance. Aujourd'hui, lorsque je vais dire, quand tu vois quelqu'un qui est habillé, une chrétienne qui est habillée, ou bien un chrétien qui est habillé, qui va à l'église tous les jours, et puis tu vois une femme du show qui est habillée, et puis sur la rue, il faut choisir qui est chrétien, qui est habillé, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Au lieu qu'eux, ils nous copient, nous, on les copie, et après, on dit, on essaie d'annoncer la parole de Dieu, mais ça ne dépasse pas. Mais ça ne dépasse pas parce que tu les copies. Tu les copies. Amen. Amen. Il y a des manières. De... Ça ne veut pas dire que les faits, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on porte là qui fait que, n'est-ce pas, on va aller au ciel. Ce n'est pas ça. Mais il y a une manière, parce que il faut faire attention. Paul a parlé de ça dans ses épîtres. Il faut faire très attention pour ne pas détruire la foi, n'est-ce pas, des frères en Christ. C'est dangereux. C'est pas bon. Il ne faut pas être une cause de chute pour quelqu'un qui cherche Dieu. C'est très dangereux. Amen. On doit être des exemples. La séduction du monde. Voilà pourquoi maintenant, quand les musiques passent là, moi j'écoute maintenant. Même quand c'est en lingala, je demande c'est quoi, on dit quoi dedans. Amen. Parce qu'on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Voilà pourquoi la vraie musique, c'est la musique de Jésus-Christ. Amen. Avec les paroles bibliques. Amen. Amen. Chrétien, ce que je suis en train de vous dire là, souvent c'est difficile d'accepter, de prendre, mais il faut prendre ça comme ça. Vous voulez avoir une fidélité avec Dieu? Totale avec Dieu? Passons par l'Esprit de Dieu. Amen. Laissons Dieu au contrôle de notre vie. Amen. Laissons, n'est-ce pas, nous former, nous changer. Et c'est là que vous allez voir dans la Bible. Je vais parler un peu de la fidélité de Joseph. Amen. Amen. Parce que quand tu regardes toutes ces personnes dans la Bible, tu ne vois. J'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai lu la Bible. Mais tu ne vois pas quelque part où Joseph a déconné. Vrai ou faux? Amen. Joseph, c'est celui-là même qui est resté fidèle depuis son enfance, n'est-ce pas? Jusqu'à, n'est-ce pas, à son ascension, qui est resté fidèle. J'ai parlé de lui un peu. Parce que pour lui, là, c'est palpable. Ils sont deux. Il y a lui et puis Daniel. Amen. 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 Non. Je vais parler de ces deux-là. Parce que Joseph, c'est différent. Jésus était avec le peuple. Alléluia. Mais ceux-là étaient, n'est-ce pas, avec le peuple de Dieu. Mais ceux-là sont partis hors de la maison de Dieu. Mais malgré qu'ils étaient hors de la maison de Dieu, ils sont restés toujours fidèles. Parce que c'est une chose de rester dans une communauté, sous une couverture spirituelle. Mais lorsque tu sors
de cette couverture spirituelle, qu'est-ce que tu fais? Amen. C'est là qu'on va voir si tu as grandi spirituellement. Est-ce que tu vas gagner le combat? Est-ce que tu vas pouvoir mener le bon combat? Est-ce que tu pourras achever la course? Voilà quelqu'un, même depuis la maison de son père, a eu des problèmes avec ses frères. La seule personne qui l'aimait véritablement, c'était Jacob, son père. Alléluia. Tous étaient jaloux de lui. Jusqu'à aller vendre leur... Ils ont voulu me le tuer. Jusqu'à aller vendre ce monsieur-là, cet enfant. C'était un enfant. Mais lorsqu'il est arrivé dans la maison, il est arrivé où? En Égypte. L'Égypte représente quoi? L'homme de gauche. Alléluia. L'Égypte représente quoi? Tout ce qui est comme idolâtrie. Mais il arrive là-bas. Mais comme il était sous la couverture de Dieu, comme Dieu l'a prise, n'est-ce pas, sous son abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut fait quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme il reposait à l'ombre du Tout-Puissant, automatiquement, il y a eu des circonstances, n'est-ce pas, qui sont arrivées, qui ont fait que Joseph, n'est-ce pas, a touché le cœur de qui? De Pharaon. Il n'a pas été séduit par la culture, la coutume, la tradition d'Égypte. Il dit, je suis hébreu, je suis juif. Adonai est mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. Personne ne peut me séduire. Joseph, tu lis la Bible, c'est le seul qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Les Jacob sont là à gauche, un peu, alléluia. Voilà Jésus. Amen. Abraham, il est parti un peu à gauche. On lui a pas dit de faire enfant. Alléluia. Mais quelque part, il allait faire enfant. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu dit, c'est mon seul fils, mon unique. Un homme qui a un enfant, et puis Dieu dit, mon unique. C'est-à-dire qu'il ne considère pas l'autre, c'est fini ça. Alléluia. Amen. Et c'est quel est l'enfant? C'est l'enfant de l'alliance. C'est pas ça? L'enfant de l'alliance. Et l'enfant de l'alliance, c'est l'enfant le plus important. Et nous sommes aujourd'hui dans cette alliance. Amen. Nous, écoutez. Cette alliance même encore est au-dessus. Au-dessus. Écoutez, hein? Au-dessus de l'alliance. Parce que nous sommes dans l'alliance de qui? De Jésus-Christ. Amen. Bon, je dis la vie là. Même si on te lime à gauche, on te lime à droite. N'aie pas peur, parce que la vérité, tant que Christ est avec toi, la vérité finira par sortir. Quand Paul criait qu'ils m'ont abandonné, mais Jésus-Christ était avec moi. Et l'Esprit de Dieu mettait les paroles dans quoi? Dans sa bouche. Alléluia. Ils ont parlé de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas vu. C'est ce Joseph-là, sans Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit venait et partait, sans Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, alléluia, qui a devenu premier ministre, celui-là qui gouvernait l'Égypte. Mais comme Dieu a vu qu'il devait avoir famine là où ils étaient, il a fait venir tout son peuple en Égypte. La Bible dit qu'ils font beaucoup d'enfants, alléluia. Ils ont commencé à peupler le pays, amen. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'on appelle celui qui a cette connexion avec Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas de compromis. Non, il n'a pas fait ce compromis-là, non. Joseph. Je n'ai pas dit qu'il y avait des belles femmes là-bas. Ah ben non. Mais il n'a pas fait de compromis. Lui, on ne voit pas quelque part ce qu'il a déconné. Hein. Il n'a rien fait. Et on prend l'autre qu'on appelle Daniel. J'ai pris quatre. Il y a deux autres qui viennent. J'ai pris deux hommes, puis deux femmes. Parce que Moïse aussi a déconné. Alléluia. On y parle quand il tape. Amen, non? Gloire à Jésus. On dit, il faut parler au rocher. Toi, tu tapes le rocher. À cause de ça, tu ne pourras pas rentrer dans la terre promise. Tu vas aller au ciel, mais ta vie sur terre, là. Tu veux souffrir sur la terre? Tu vas avoir des inquiétudes? Des craintes? Quand il y a un bruit de guerre ici, tu cours. Pourquoi?
À la télévision, nous parle de nous. C'est comme si on en a fait du monde aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est la fin des temps. Amen. Gloire à Jésus. Daniel. Joseph. Les deux, c'est similaire. Hein? Alléluia. C'est similaire. Parce que quand ils l'ont vendu aux Égyptiens, amen, non? L'autre Daniel, eux, ils sont allés, quand ils ont été déposés en esclavage, on lui a donné bon manger, une bonne nourriture. Il dit, lui, ne mange pas. Parce que lui, il ne peut pas se souiller. Amen. Amen. Malgré qu'il mangeait des feuilles, il était le plus en forme, le mieux portant, parmi eux tous. Il ne s'est pas laissé séduire. C'est ça. Nous nous laissons séduire par le monde qui nous entoure. Chaque année, on dit qu'il y a un nouvel mot de danse. C'est pas où les danses là quittent. Chacun va commencer à arriver sur pied comme ça. Amen, non? Amen. Mais pourquoi ils ne nous suivent pas? Et puis c'est nous, on les suit même. Pourquoi? Mais remarquez, c'est la vérité. Daniel part. Et Daniel prouve, fait même, que c'est Nebou, comment il s'appelle le roi là, Nebou, qui dit que le Dieu de Daniel est quoi? C'est un vrai Dieu. Vous avez compris ça? Un homme qui est venu comme esclave, un homme qu'on voulait tuer, alors qu'il y avait tout ce qui est comme disait de bonnes nouvelles là-bas, n'est-ce pas? Et on se lève, on dit, le roi lui-même, l'autorité s'élève, il dit le Dieu de était vrai Dieu. Attends, le Dieu de Daniel était un bon, un vrai Dieu. Vous croyez que ce sont par les miracles qu'il a eu à faire? Par les songes? Par son comportement? Parce que depuis qu'il était en prison même, depuis qu'il était en prison, en train d'être nourri, la personne qui gardait est allée dire, je suis sûr, des bonnes choses au roi, ce monsieur-là. Vraiment, il a une bonne conduite. Voilà pourquoi on a des problèmes chrétiens. Ah, c'est Daniel et puis Joseph. Daniel n'a pas fait de compromis, même condamné à mort. J'ai dit toujours, si quelqu'un rentre dans une église avec son pistolet, ses fusils, et puis il dit, ceux qui sont chrétiens là, hein, à se lever. Ceux qui ne se lèvent pas là, ce n'est pas que t'es, il est, tu parles. Ceux qui se lèvent, ils tuent tout le monde. Ah, à chauffer. Ah non, c'est des questions qu'on doit se poser. Non, c'est sérieux. C'est des questions que nous, les chrétiens, on doit se poser. Quand Paul dit la mort met un gain là, c'est de ça qu'il parlait. On parle de Paul, vous croyez que c'était facile? C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Moi, c'est des questions que moi, je me suis déjà préparé à ça déjà. Alléluia. Ça peut arriver n'importe où. Ils ont tué combien de 40, combien de 49 là-bas? Amen. Le lendemain, un crocodile a pris un enfant dans le même coin. Ça peut arriver. C'est là que tu peux savoir que tu as cette fidélité, tu es fidèle, que la mort est un gain pour toi. Je ne te dis pas d'être jeté sur le pont de Coronado, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit, alléluia. Là, c'est volontaire. Je dis bien involontaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est du suicide. Amen. Non? Gloire à Jésus. Maintenant, je vais parler d'une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne. Cette femme-là, c'est la fidélité totale. C'est une femme qui souffrait, qui n'avait pas d'enfant. C'est une femme qui était moquée par ses concubines. C'est ça? Quoi, par ses rivales. C'est ça, non? Par ses rivales. Sa rivale, c'est ça? Sa rivale. Mais non. Mais est-ce que cela empêchait Anne d'aller à Jérusalem? Chaque année, elle montait, n'est-ce pas? Mais elle revenait, il n'y avait rien. Et jusqu'à ce que elle dise que, attends, je monte pour aller faire quoi là-bas? Si ce Dieu-là n'est pas Dieu, pourquoi je le sers? Alors que je sais que ce Dieu-là est Dieu. Et quand je vais le servir, il va me donner ce que je dois avoir. Elle pleure devant Dieu.
elle fait un vœu. Combien de personnes qui font des vœux ici et qui ne respectent pas? Honnêtement, c'est ce qui fait qu'on a des problèmes. C'est que tu ne fais pas de vœux. C'est mieux. C'est mieux. J'ai fait un vœu. Je vais me charger de ça, de tel, tel dans l'église. Un mois, deux mois, trois mois. Oup, c'est fini. C'est facile. Elle a porté un enfant. L'enfant, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un ne peut pas te donner. C'est le plus beau cadeau que Dieu seul peut donner, n'est-ce pas? Elle porte un enfant pendant 9 mois. Elle veut donner quelque chose de bon à Dieu. Elle pourrait le déposer là-bas. Elle dit, je vais le sévrer d'abord. On sévère d'abord, tu vois à quel âge? Ça peut aller jusqu'à 3, 4 ans même. Alléluia. Ah oui. Avant, les gens donnaient avant. Alléluia. C'est vous les jeunes filles de maintenant, là, vous prenez 6 mois. Vous dites, non, ça ne marche pas comme ça. Amen, non. Non, non, quand on était, on voyait les femmes qui. Les enfants s'est arrêtés, quoi, ils vont jouer, ils courent, et puis ils viennent, et puis on va jouer. On voyait ça. On a voyé ça. C'est ici, là, quand une femme donne à tété, on doit fermer. Vous savez quoi, même? Vous savez quoi? On doit fermer quoi? Qui veut regarder les gens? Alléluia! Amen! On ferme, pourquoi? On étouffe l'enfant. Les gars, ils courent là-bas, ils vont jouer, quoi, ils courent, ils viennent, maman. Et puis ils partent. Elle pouvait garder l'enfant à la maison. Elle pouvait garder l'enfant. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, l'amour de l'enfant commence à rentrer. Alléluia. Amen. C'est pas les femmes qui font enfant et puis ils vont donner ça, comme on appelle ça, mais adoption là. Là, elle a cet attachement. Écoutez, c'est une histoire. Il faut bien écouter cela et que cela puisse vous fortifier ce soir afin que lorsque vous faites un vœu à Dieu, respectez le vœu. Parce que la fidélité de Dieu nous bénit dans tout. Elle est attachée à son enfant. C'est-à-dire que, comment ils vont mes petits filles? Je suis attaché. Alors que moi, je suis l'homme, je ne suis même pas à côté de l'enfant. Alléluia. Et la maman, attachée à son enfant. Et puis, elle prend cet enfant. Et puis, elle va donner l'enfant. Et c'est ça qu'on appelle la fidélité de Dieu. Elle a été fidèle. Mais pourquoi elle était fidèle? Parce qu'elle sait qui est son Dieu. Amen. C'est ça. Parce que nous ne savons pas qui est notre Dieu. Voilà pourquoi quand on fait des vœux, on les accomplit pas. Parce que nous ne savons même pas qui est notre Dieu. Nous ne connaissons même pas, nous ne savons pas que ce Dieu-là est puissant. Nous ne savons pas cela. Et alléluia. Amen. Elle va donner cet enfant. Je parie que elle pleurait quand elle partait. Mais à l'intérieur, Dieu était en train de la consoler. Ma fille, ne t'inquiète pas, ne crains pas. Je te donnerai encore plus que ça. C'est ce qui s'est passé dans la vie de madame. Vous voyez la fidélité de Dieu? Mais elle cherchait quelque chose. Mais il y a une autre femme, la femme tsunami, elle ne cherchait rien, alléluia. Elle ne voulait rien, elle a vu Élisée, un homme de Dieu, elle dit que je vais faire quoi? Je vais lui trouver un logis. Quelqu'un ne lui a pas demandé. Elle a fait ce vœu. Et que toutefois, n'est-ce pas, que cette personne, que le prophète arrive, qu'il puisse être chez moi. Et après, elle dit à son mari, construisons même encore, n'est-ce pas, un endroit pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a eu quoi? Un enfant, un fils. Est-ce qu'elle a donné ce fils-là? Le fils est mort. Le fils ressuscité. Alléluia. Amen. Qui revient à la vie. Est-ce qu'il n'est pas bon d'être fidèle à Dieu? Amen. Est-ce qu'il n'est pas bon de respecter ses vœux? Est-ce qu'il n'est pas bon de s'occuper de la maison de Dieu? C'est bon. Celui qui demeure sous la puissance du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'il n'est pas bon de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce qu'il n'est pas bon que la convoitise puisse sortir de nous au nom de Jésus? Que toute séduction, tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ ne puisse pas faire que les enfants de Dieu puissent manquer les bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Merci Seigneur parce qu'en ce moment précis,
Tu es en train de parler dans le cœur, mon frère. Je sens que Dieu est en train de parler dans ton cœur en ce moment. Je sens ça. Je sens. Ne crains pas pour ta santé ce soir. Ne crains pas pour tes finances ce soir. Ne crains pas pour ton mariage. Ne crains pas pour ton travail. Ne crains pas pour ton projet. Car le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle et sa fidélité dure éternellement. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, regarde tes enfants. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus devant toi ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, pour te dire merci. Parce que nous savons, oh Roi des Rois, que notre prière, Seigneur, ce soir, monte vers toi. Seigneur, tu permettras que la séduction du monde ne puisse pas avoir effet sur nous. Je te dis merci pour toutes ces personnes qui sont ici présentes. Merci, Seigneur, pour cette communauté. Fortifie-nous, afin que nous puissions être des hommes et des femmes fidèles. Fidèles, Seigneur, à ta parole. Fidèles, Seigneur, à tout ce que tu nous dis de faire. Fidèles au Roi des Rois. Afin que ta manifestation, Seigneur, soit une vérité dans notre vie, ô Père Céleste. Je te dis merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux acclamer le Seigneur. Frère.